Le Hip Thrust, le mouvement roi pour travailler vos fessiers, oui mesdames, mais oui messieurs également. Ce n'est pas un mouvement réservé exclusivement aux femmes. Alors je vous recommande, hommes ou femmes, petits ou grands, d'effectuer ce mouvement pour développer votre chaîne postérieure. Donc je vais vous montrer chacune des variations de ce mouvement. On va commencer tout d'abord avec le poids du corps. Votre position de départ adossée contre un banc. Vous devez placer vos omoplates contre le banc. Assurez-vous d'avoir un banc bien fixe. Pour ça, vous fléchissez les coudes, vous faites un petit dips et hop, vous placez vos omoplates contre le banc. Assurez-vous d'avoir un banc suffisamment lourd ou bien fixé de façon à ce qu'il ne recule pas une fois que vous posez votre dos dessus. Attention de bien garder vos talons en dessous de vos genoux. Deuxième variante, le hip thrust avec élastique. On enfile les élastiques au niveau des rotules. Le petit dips pour venir plaquer les omoplates sur le banc. Maintenez la rétroversion du bassin ici, vous voyez la mobilité. Et gardez les genoux écartés l'un de l'autre. Gardez bien les genoux à l'extérieur. Maintenez de la tension au niveau de l'élastique. Cela va vous permettre d'engager vos petits et moyens fessiers. Vous allez avoir encore plus de ressenti sur vos fessiers avec élastique. N'hésitez pas à placer vos doigts derrière le crâne, vos coudes à l'extérieur pour soutenir vos cervicales. On maintient toujours un bon gainage au niveau de la ceinture abdominale. Et on expire, on pousse sur les talons pour décoller votre bassin au plafond. Une fois que vous avez fini, reposez vos mains sur le banc et revenez, asseyez-vous sur le banc, reposez, relâchez la tension. Nouvelle variation ici avec la barre. Chargez votre barre, faites-la rouler jusqu'au niveau du bassin, la même position que tout à l'heure avec les omoplates plaquées sur votre banc. La barre placée au niveau du bassin, attention de ne pas placer la barre sur les épines iliaques. Vous savez, ce sont ces os pointus au niveau du bassin. Placez la barre juste en dessous de cette zone. Si vous avez mal au bassin en effectuant ce mouvement, n'hésitez pas à prendre une petite mousse, cette mousse que certaines personnes utilisent pour faire des squats, ou n'hésitez pas à prendre un tapis et à le plier en deux et à placer le tapis sur la barre pour limiter la pression exercée de la barre sur le bassin. Et ici, toujours pensez à garder la rétroversion de votre bassin quand vous descendez. Le haut des omoplates se décolle légèrement du banc en position basse et poussez sur vos talons en expirant pour monter le bassin au plafond. Et enfin, dernière version, la version ultime, la barre plus les élastiques pour avoir un maximum de ressenti. Engagez au maximum les petits moyens fessiers, l'intensité avec la barre. Même chose, même protocole, on enfile les élastiques au niveau des rotules. On fait rouler la barre au niveau du bassin, toujours avec un tapis ou petite mousse pour limiter la pression de la barre sur le bassin. Et même chose, on descend le bassin vers le sol en gardant le bas du dos bien plat et le bassin en rétroversion. On pousse sur les talons, on expire, on remonte. Assurez-vous d'avoir un banc suffisamment lourd ou bien fixé de façon à ce qu'il ne recule pas une fois que vous posez votre dos dessus.